CISUB, qui est l'entreprise que j'ai cofondée il y a quelques années, a été associée à ce grand projet de la chaire Purposeful Leadership. L'idée, c'est de former les acteurs de demain, qu'ils soient des acteurs responsables, c'est-à-dire conscients des besoins réels de la société, et créateurs de valeurs économiques, bien sûr, mais en vue de plus de justice et de paix. Nous nous sommes engagés auprès d'HEC pour l'organisation du séminaire au Mont-Saint-Michel. Et donc nous avons passé 4 jours dans ce magnifique site du Mont-Saint-Michel. Les étudiants avec nous ont pu réfléchir à différentes notions, leurs aspirations profondes et leurs sources d'inspiration personnelle, mais aussi la place de la vulnérabilité dans la société et dans l'entreprise, les vertus de l'échec, ou encore la responsabilité et la contribution sociétale des entreprises. Notre méthode chez CISUB est exigeante et simple. Elle repose sur 3 piliers, servir, s'inspirer, chercher. L'objectif étant d'ancrer la réflexion dans le réel, tout comme cette chaire le propose. Alors servir, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de permettre aux étudiants de rencontrer des personnes en situation de fragilité et les personnes qui les accompagnent au quotidien. Nous avons pour cela fait venir Nathalie Vallée-Renard, fondatrice de l'association Entreprises et Cancer, qui accompagne les entreprises dans l'attention à porter à leurs collaborateurs touchés par un cancer. Deuxième volet de la méthode, s'inspirer. Il s'agit, grâce à la littérature, à l'art, à la philosophie, de prendre du recul, de faire un pas de côté qui nourrit la réflexion, permet l'écoute de soi et l'écoute de l'autre dans le plus grand des respects, par la médiation de phrases, de textes qui inspirent. Et enfin, chercher. Il s'agit d'inviter les étudiants autour d'un sujet de société ou d'une question qu'ils se posent, de confronter différentes sources d'informations, de les confronter à leur expérience afin qu'ils appréhendent en profondeur une question et qu'ils en saisissent toute la complexité. Ça a été une des manières d'appréhender leurs questions de mémoire après le séminaire. Nous sommes donc particulièrement contents de cette initiative d'HEC, de cette chaire ambitieuse qui veut allier expérience vécue et réflexion sur le sens.